Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre let's play sur Firewatch. Je suis très très heureux de vous retrouver, j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire qui est de plus en plus bizarre finalement, parce qu'on a eu beaucoup de choses étranges la dernière fois, notamment, enfin je pense que c'était la fois d'avant même, mais vu que j'avais tourné deux épisodes en même temps, pour moi c'est juste la dernière fois, on avait eu un moment où Deli avait parlé à quelqu'un. On n'était pas censé entendre, c'était un petit peu bizarre, on n'en a pas trop reparlé. On a eu un rêve où on a parlé à Julia. On a eu tout simplement le fait que le temps passe aussi, je trouve ça assez bizarre parce que finalement il s'est rien passé pendant ce temps-là, ou je sais pas, c'est bizarre. Nos deux personnages ont l'air de se rapprocher un petit peu plus amoureusement. D'après le sondage, vous étiez plutôt chaud pour que je fasse une romance entre les deux, mais moi à mon avis c'était plutôt du coup d'y aller mollo, vraiment de donner plus ou moins notre confiance à Deli, mais pas forcément de tout de suite tomber amoureux quoi. Pour moi notre amour c'est Julia. D'ailleurs on est je crois toujours marié avec elle, donc ça m'embête vraiment de la laisser tomber. Donc clairement se rapprocher oui, être franc avec elle oui. Je crois que vraiment être ami. Voilà, pas d'amour, juste de l'amitié. Je pense que ce serait tout simplement ça. Apparemment elle, d'après vous, elle se sentirait simplement seule, quoi. C'est, ça peut se comprendre. Là, on est déjà à 76 jours. Elle était là avant, elle. Donc, c'est possible qu'elle se sente tout simplement seule. Donc, jusque-là, je suis pas choqué sur son attitude, à vrai dire. Après, il y a pas mal de petits indices. Quand elle veut faire un portrait, comme Julia. Quand elle nous pose beaucoup de questions. Et finalement, on n'en apprend pas trop sur elle. On en apprend un petit peu, mais quand même pas trop. Et aussi, sur les deux ados. Du coup, ben, ça remonte à longtemps, ça remonte à 76 jours, quoi, donc un truc comme ça, qui ont disparu. On a dit à la police qu'on voulait bien répondre à leurs questions, on n'a pas eu plus de nouvelles. Avec leur leur camp déchiqueté, je sais pas. Apparemment, elles auraient vu quelqu'un parce qu'elles nous ont dénoncé dedans, mais bon, c'était pas nous, mais... Enfin bref, voilà, beaucoup de questions, beaucoup de choses. On va reprendre, donc. Je ne sais plus exactement ce qu'on doit faire, je dois tout vous dire. Chercher des traces d'ours autour du lac. Ok, alors où suis-je? Il faut que je retourne au lac. D'accord. C'est vrai qu'il y avait une histoire d'ours, il me semblait bien. Il me semblait qu'il voulait pêcher aussi, quelque chose comme ça. On peut lui parler? Non, on peut pas lui parler. C'est par où le lac? Parce que je crois que je me suis un petit peu... Je suis pas sûr de partir dans le bon sens, en fait, là. Si je vais là-bas. Si? Ah, si, si, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, parce que là-bas, il y avait le camp. Il y avait l'ancien camp. Ok. Bien. Eh bien, on reprend tranquille. On va voir s'il se passe encore des choses bizarres, si le temps va encore passer. Pour l'instant, toujours pas vu... Enfin, moi, j'y tiens quand même pas mal à cette supposition. On n'a pas vu de visage. Vraiment. En 76 jours, j'ai l'impression qu'ils ne se sont toujours pas vus. Donc, je trouve ça curieux. De toute façon, s'ils s'étaient vus, on aurait eu ça dans le jeu, je veux dire. Ça me paraît important. Donc, c'est quand même bizarre. 76 jours, tu l'as quand même vu, la personne. Donc il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que c'est notre personnage. Certaines personnes aussi me rappelaient qu'au début du jeu, dans les textes, on voyait qu'il buvait beaucoup. Donc peut-être que... qu'il y a quelque chose avec ça. On est donc de retour au lac. Ok. Ok, ok, ok. Il y a un truc sur le rocher déjà. Bloc-notes. Someone left their clipboard out here. It could have been one of the fish and game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. Inspecter le bloc-notes. Qu'est-ce qu'on a de beau? On peut pas lire, nous? Examiner. What? It's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. Quoi? That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Hola, wait, hola. Hold on, something's out here. Henry, I'm worried. Oui, oui, bah attends, j'entends quelque chose. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Attends, attends, mais on entend un truc. Localiser les bruits étranges vers le canyon. C'est ça? Radio. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shit house. We'll get it if you have... Oh my god. Henry?
I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? Ben, j'ai pas eu le temps de voir. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? Mais what's oui. Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's ah, d'accord. North of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Mais je pense pas quand même. Je sais pas ce que j'ai vu, mais pourquoi est-ce que j'inventerais ça? Des gens qui nous écoutent. Non mais s'ils vont noter les trucs. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, Dee? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. Ben oui. No, they were. So, what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with the walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette clôture? Ou faire mieux de partir? J'hallucine. We should just get the hell out of here. Non, je voulais pas dire ça. It's a 2-day hike. You're welcome to do it, but you're gonna catch hell from the service and have to explain yourself. Je voulais pas dire ça. Plus, there's a fire burning across Rose Creek. You hiked through there on the way in. Call someone and tell them to come get me. I am not going to book a $15,000 helicopter ride for you. I'm not doing it. Okay, we can't freak out. There's got to be a reasonable explanation for all of this. You're right. You're right. I'll head to Wapiti Meadow, but I swear, if this gets worse... You better get on the horn and get us out of here. I'll call around and see if anything weird is happening. Oui, mais si c'est les autres guetteurs le problème aussi. Yeah, okay. Hike safe. Ok, je peux parler tranquille là parce que... What the fuck quoi, on s'est fait assommer. J'ai pas eu le temps de voir les trucs. On aurait peut-être pu comparer les écritures, je sais pas, ça aurait peut-être pu être intéressant. J'ai pas plus que ça, message de Dave. Est-ce que c'est Dave, Ron, je sais pas. Est-ce que c'est pas... Certains d'entre vous pensaient que peut-être la type qu'on avait vue, la silhouette, et peut-être le mec qui nous a frappé, ou qui a pris des notes, ou qui a effrayé les filles, c'est la silhouette qu'on avait vue au début du jeu. Enfin, au début, il y a pas longtemps, finalement. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Donc, explorer Wapiti Meadow. Donc, c'est la clôture. Wapiti Station. Wapiti Meadow, ok. On est sur le bon chemin. Là, il y avait la clôture. Ok. Et du coup, on va pouvoir le rejoindre, mais à partir de l'autre côté. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose sur la route. Trop bizarre. Mais en même temps, c'est bizarre, mais ça faisait très mise en scène quand même. Tu trouves le bloc-notes, et pile quand tu l'as lu, t'entends des trucs derrière, des bruits de radio bizarres. Et pour le coup, Daily, bon... Elle est hallucinée, je sais pas, elle est pas si choquée que ça. Je sais pas. Trop bizarre. Bon bah écoutez... Il se repasse des choses étranges, quoi, y'avait pas de soucis là-dessus. Alors, y'a un truc qui me... Oh, c'est quoi ça? Y'a un truc qui m'embête aussi, c'est qu'on a raté... Enfin, j'ai raté quelque chose qui peut-être était important. Dans un épisode, il y avait dans une des boîtes une pierre branlante ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose de planqué derrière et bah, je l'ai raté. J'espère que c'était pas ultra important ou un bon gros indice. Peut-être que j'aurais dû prendre en photo la radio et des trucs comme ça. D'ailleurs, vous m'avez répondu là, les photos c'est pas fou, hein. C'est juste pour. Enfin, c'est pas la folie, c'est pas grave si j'en rate. D'ailleurs, on peut peut-être prendre une photo du paysage tranquille là. Hop. Tac.
Il nous reste 12 photos. Ah, on est déjà à la grille en fait. Ah merde, je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. La clôture est là. J'y suis. All right, I'm here. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Alors, le problème, c'est que nous avons un magnifique... Bon, à chaque fois, il me fait flipper. Impossible d'entrer. Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Ah. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Ah, mais c'est ça, regardez. Ah bon, je pense qu'on a rien raté avec les pierres branlantes parce que... Dégage, caillou. Ok, bon, très bien. Bon, on ne peut pas passer, on va demander de l'aide à quelqu'un. Et je pense... Non, c'est pas là-haut. Je pense que c'est tout en bas, en fait, non? Ah, voilà. Ah bah, dis donc, c'est super loin, hein. C'est super loin, Medicine Wheel. Bon, bah... Demi-tour. Pourquoi il y aurait une zone grillagée? Et puis alors, s'il te plaît, quoi. Tu peux bien faire hop, hop, tu sautes et c'est bon, t'es dedans, quoi. Bref. Demi-tour, et s'il vous plaît, ne me tapez pas, jeunes gens. Hein. Rien ne me saute dessus, s'il vous plaît. J'aimerais finir en un seul morceau. Donc, on a tout un truc, toute une route à faire, là, donc on va se presser un peu. Concernant la tortue, j'ai vu des gens qui me disaient « Ne la laisse pas mourir, j'espère que... » Je sais pas si c'est des gens qui connaissent bien et si on peut la faire mourir, mais sinon, je sais pas comment on fait, quoi. Faut que je lui donne à manger, faut... Bah alors, tu grimpouilles, voilà. Je sais pas ce que ça mange, moi, une tortue, de la salade? J'ai pas de salade. Je ne sais pas. Bref, j'ai envie d'avoir des réponses, là. Hop. Mais maintenant, je me méfie de tout le monde. Est-ce que c'est les mecs, là, où on va chez les autres gens? Est-ce que je peux leur faire confiance? Je sais pas. Par contre, je sais pas par où on y va, parce que du coup... j'ai pas vu de passage pour y aller, quoi. Chercher les feux contrôlés au sud de Ruby River. Mais comment j'y vais, en fait? C'est ça, le truc. Est-ce que je vais à la Medicine Wheel? Il y a plein de caches, en plus. Ou alors, faut que je retourne carrément au début. Il y a peut-être un chemin que j'ai raté. Je sais ça, je sais pas trop. Tu veux pas me dire par où on y va? J'ai pas fait... trop attention. Comment je retourne déjà à mon camp? Je pense qu'on va partir sur l'idée de partir à mon camp d'abord. Peut-être qu'on va avoir un indice sur la route. J'ai peur maintenant, je vous jure. J'ai l'impression qu'à chaque virage, tu vas trouver quelqu'un qui te saute dessus. Il y avait une histoire d'ours en plus à la base. On va quand même... Ça se trouve, c'était l'ours qui m'a sauté dessus. Oh. Est du lac. Comment est-ce que je peux me rendre? Bah voilà. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Bah ouais, t'es gentil, mais ça me dit pas par où j'y vais, quoi. C'est ça mon problème. On va continuer de retourner dans cette direction. Sans paniquer, hein. Est-ce que je redescends? Ou est-ce que je retourne au camp? Franchement, j'en ai aucune idée. On va partir par là. On va partir dans l'idée que c'est par ici. C'est par là où il y avait la tortue, ici. Allez, 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 on descend. Tranquille, voilà. Bon, du coup, ça me rassure un coup sur le... Ça me rassure du coup sur la pierre branlante de la caisse qui finalement ne servait à rien, quoi.
C'est juste comme ça qu'ils appellent une pierre qu'on peut prendre. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut passer par là? Je pense qu'on va rester sur l'idée qu'il faut retourner au camp parce qu'à mon avis là, on aurait déjà capté qu'il y avait un truc ici. Là, il y a la boîte qu'on avait déjà prise. Là, on avait regardé, on avait eu un petit message avec Deli comme quoi il y avait un truc là-bas, mais il n'y avait pas de passage. Il me semble pas. Il me semble même d'ailleurs qu'elle avait dit qu'on ne peut pas passer par là. Donc, en fait, je viens peut-être pour rien du tout. Non, mais là, tu peux pas, quoi. Tout ce que je vais réussir à faire, c'est retourner au feu de camp. Déchiqueté. Doit y avoir un truc que j'ai raté. Ah mais là, je suis bien trop loin déjà. Non, bah on va retourner au camp. Je pense qu'il faut aller à la Medicine Wheel là. J'ai l'impression que j'avais pas vu ça avant. Donc je pense qu'il faut... on va aller là-bas. On referme ça. C'est pas grave, ça nous fait une petite balade. Après tout, c'est pas grave. C'est toujours aussi joli ici. Il y a peut-être une copine tortue, hein, tu sais pas. Peut-être que... On l'a arrachée à sa famille. Non, elle était trop mignonne pour être arrachée à sa famille. Elle était tellement contente qu'on l'adopte. Par contre, si je la retrouve morte, je vais être un chouïa déçu. Je crois qu'il y avait une grotte là, mais non, pas du tout. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Je parie que la nuit tombe non plus. Oh là. Qu'est-ce que t'as vu là? C'est la tour de Delhi que je vois là-bas? Enfin. J'arrive à la pointer, c'est un petit bug en fait. Elle est derrière les montagnes en fait. Enfin un bug, je sais pas. Mais... Ce n'est pas prévu, je pense qu'on ne peut pas vraiment la voir parce qu'il y a quand même des rochers devant. Bon désolé si j'ai fait un détour pour rien, elle a peut-être dit et j'ai mal compris qu'il fallait retourner à la Medicine Wheel. Mais la Medicine Wheel, vraiment j'ai un doute, je pense que vraiment que c'est là-bas parce que je ne vais pas souvenir du tout. Tu peux grimper. Voilà. Qu'on l'ait noté sur la carte ça à la base. Alors, je sais pas si on va enfin rencontrer quelqu'un aussi. Ah, il y avait un autre truc bizarre d'ailleurs. La cabane, à un moment où on avait demandé à Deli qu'est-ce que c'est ce truc, et elle avait absolument pas répondu. Ça, c'était bizarre aussi. Qui avait l'air d'être brûlé. Apparemment aussi, j'ai raté des trucs là-bas. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Faut toujours que je fasse. Fallait que je vienne ici. Si on appelait la police, tu as vu quelque chose d'étrange? Est-ce que les guetteurs disent la vérité? Tu as vu quelque chose d'étrange, Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. À propos de ma radio. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah. Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Intercepter notre fréquence, me suivre. Intercepter notre Maybe fréquence? C'est intercepting our pas impossible du tout frequency ça. with other radios or something. Henry, Oh it's ben just a quoi? thought. I don't even know how you would do that. Yeah, Ben well, ça you va, see, don't worry. je me suis fait attaquer, je peux être No, inquiet quand I'm même. not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Attends, quand même. Ah, fallait aller à droite. Super, j'ai déjà raté un truc. Bon, on va continuer tout droit parce que je vais encore me faire avoir. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. Ah, super. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. Ruby It just Riser. struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. Son père pouvait le protéger, peut-être qu'il s'amusait bien. Je parie qu'il va bien. On va rassurer un I'm petit peu. sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? Ah, c'est ça, regardez. I don't know. Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Ryan is fine. I hope so.
Ouais, bah on va espérer. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. On essaie de la rassurer, mais on est au courant de rien, nous. Mais moi, c'est vrai que la supposition que peut-être c'était son père qui était aussi un peu foufou, c'est peut-être lui le problème. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Ok. Ok, 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 ok. Alors, on arrive à la zone qui était brûlée, hein, si je me souviens bien. Le feu est toujours là, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est bizarre, cette histoire de feu. Trouver les pompiers dans l'ancien camp après les feux contrôlés. Bah, les feux contrôlés, c'est ça, quoi. Brûlure récente. Ah oui, avant, il y avait de la végétation. Extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Ok. Et si jamais un de ces feux devenait incontrôlable? On va pas. On va s'en ficher un peu. J'ai envie de prendre en photo cet arbre qui me fait plaisir. Voilà. Et je vais ouvrir ça. Vas-y. Hop, 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 hop. J'aimerais bien compléter ma carte, ça m'intéresserait beaucoup. Parfait. Alors, c'est quoi ça? Trois rats aveugles. Ouh. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans, à part la carte. Oh, doucement, quand tu poses des objets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on allonge le passage. Firebreak. Donc ici, en fait, voilà, la zone de feu avant était enfin, il y avait de la végétation qui m'empêchait de passer, si j'ai bien compris. En fait, j'ai vraiment raté la Medicine Wheels depuis un bon moment, je pense. Donc il faut que je continue. Peut-être aller chercher la cache 307. Hop. C'est grand quand même par ici. C'est très joli. Ah, regardez la fumée là-bas. Doucement, hein, les trucs qui me sautent dessus, ça va 5 minutes. Hein. Alors, dans quelle direction je vais exactement là? Parce que fou, moi je... Là, on va vers Cottonwood, la crique de Cottonwood. On peut aller jeter un oeil, mais c'est pas par là que je dois aller. Ah, quoique, regardez, il y a un truc là, non? Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Carte actualisée, encore une fois. Big Tree. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Delil peut peut-être m'en parler. Des skis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Delil, elle veut rien en dire? Des skis, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a autre chose? Tant que je suis là, hein, je préfère fouiller un petit peu, mais... Non, là, il n'y a rien. Il y a des drôles de bruits autour de moi, mais on va dire que c'est des bêtes. Rien ne va me sauter dessus. On va pas se faire attaquer tous les deux pas non plus. Bon, là, on rejoint plutôt le truc que je veux. Hein. Oui, on est sur la bonne route. Je vais continuer d'avancer vers la gauche aussi pour voir si je peux pas trouver l'autre cache. On devrait tomber dessus. Quoique, j'ai l'impression que c'est de l'autre côté de la colline, là. Encore des brûlures. Bon, on va pas se... Tu veux parler du feu? Non? Ah, il y a encore des trucs, là. J'aimerais vraiment trouver la cache avant, parce que j'ai peur que ça déclenche un nouveau jour. Mais pour y aller, en fait, c'est pas simple, hein. Tu peux pas prendre la rivière. Il devait y avoir un passage, là. Attendez, on va quand même s'occuper du camp. Tant pis pour la cache. Motoneige en pièces. C'est quoi, cette idée? There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it.
That was not a fun hike back to civilization. Mais c'est bizarre, hein. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. I mean, that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. Bah, tu m'étonnes que c'est bizarre. Des skis, des motos neige, et nous avons encore une moto neige en pièces. Ah, c'est la mare ici. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but well, folks kept stealing it. Voler un panneau. Pork Pond. La mare aux cochons. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. D'accord. Qu'est-ce que j'ai actualisé sur ma carte là, s'il te plaît? La Pork Pond, lovely. Ok, on y est presque, au scout machin. Mais, s'il te plaît, ça me paraît important de choper ce truc. Donc par où on y va? Il y a forcément un passage, il est là. Fais demi-tour. Les brûlures, c'est gentil. Là, voilà, la caisse est là, parfait. Ah! Cours. C'est joli ici aussi, avant d'être brûlé. Hein. Bien, ouvrir. Tac. Et voilà. Actualise-moi cette carte. Ah, il y a encore un mot là. Elle est bien, cette caisse. Elle est parfaite, cette caisse. Montre-moi ta carte. Voilà, on a tous les passages. Parfait, j'aime les passages, j'aime les cartes. Oh, il y a du PQ. On peut pas l'emmener. Bon, on va le laisser là, ça peut servir. Et on a plein de bouquins. Mais qui laisse des bouquins là-dedans? Je comprends pas l'idée. Ça sert peut-être de PQ, hein, tu sais pas. Il y a rien dessus. Une chance de mourir, ok. Qui veut une chance de mourir? Est-ce que c'est pas tout le temps le même auteur en plus? Je sais pas, je fais pas trop attention. Non, c'est pas du tout le même truc. C'est pas très intéressant. Et le mot... Si seulement les autorités pouvaient nous obtenir des radios moins chères... Moins à chier, pardon. Bon, c'est pareil. En général, je m'en tiens à l'écriture, mais ce serait chouette de pouvoir te joindre directement de temps en temps. Ma sœur arrête pas de te laisser des messages au bureau principal, mais je crois qu'elle n'a pas compris que j'avais accepté ce poste pour m'éloigner un peu d'elle et de ma mère. Ça fait un petit moment que je suis là à réfléchir à quoi lui dire, mais j'ai surtout... descendu un quart de ma bouteille de Five. Tu me manques, Dave. Je sais pas, vraiment pas si c'est un truc intéressant, ça. Si c'est important, ces messages. Alors, je dis peut-être une connerie, mais moi j'ai l'impression qu'ils se tournent autour. Mais alors moi, je vois des couples homo partout, donc vous savez. Il se passe des choses. Non, je vais pas parler des brûlures, ça suffit. Avançons. Entre ça et Chloé et Max, ça n'arrêtait pas. S'il vous plaît, ça suffit. Ça suffit de créer des romances homosexuelles partout. Alors, faut qu'on traverse la rivière. Je sais pas si on peut le faire n'importe où. Après, peut-être que c'était encore une rivière. On peut passer dedans, là. Je plaque. Allez, boum. Dans la mare aux cochons. Si c'est encore un petit ruisseau rikiki... Ah, c'est bon. Il y a un pont. Oh, mais il a l'air pété, non? Vas-y. Arapaho. You're there? Cassé. Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. Moi non plus. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelos in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Ok, bon du coup, je le point est cassé. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Ok, on va essayer de traverser. Hein. Il doit bien y avoir un passage. Mais je suis pas trop, moi, pour les scouts. Enfin, j'aime pas trop, après, bon. Alors, je peux tomber ici, mais... Ok. On pourra pas faire demi-tour, là. Hein. J'aime pas trop, moi, les scouts. Bon, après, c'est un peu abandonné, hein, donc ça va. On devrait pas tomber sur quelqu'un de bizarre. Alors, on arrive sur quelque chose d'intéressant, donc.
À propos des scouts, tu as déjà parlé à un scout? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Piège à ours. Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. C'était pas un bon scout, comme quoi? What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Oh. Vous quoi? C'est bien aussi. Bon, je suis pas très fan, mais c'est pas la peine. The what? No, you can't. Hey, Planar Dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. Ok, il est pas très geek, Henry. Alors, ce piège à ours m'intéresse, moi. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Ok, il y a vraiment pas grand chose à dire finalement. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. Ok, bon. Rien de très important donc. Ok. Je continue. Il y a un truc rouge là. Les pompiers sont partis. Évidemment, encore une fois, on ne voit personne. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Ah, il y a une hache en fait. Ah, mais ça peut me servir ça. Ben voilà! Là, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. On a encore un mémo. Et... du PQ, une truelle. J'ai hâte de savoir le commentaire. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. I'd use it to pop open beers. Wow. 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Ben oui. Par contre, tu peux... Ah, mais tu peux quand même l'emmener. Non, tu peux examiner, non mais ça c'est bon. Dégage, dégage. Ok, laisse tomber. Alors ce mémo, dis-moi qu'il écrit pas. Hey D, they left something behind. It's like a memo from their boss. Alors on va le lire avant qu'ils en parlent. Squad machin du docteur Simon at Wapiti Station. Squad machin. Ah, pourquoi c'est pas traduit ça? C'est pas gentil. The next few days, you and your team will be dropping into the... To cut a fire, donc dans quelques jours vous serez droppé dans un machin pour arrêter un feu au sud de la Ruby River. Je vous écris depuis la station Wapiti. Il a atteint le SIP machin in wildfire concerned about a... Upon your return someone from... J'arrive pas tout à comprendre. Them, they have nothing to worry about. And that your team fired. Filiness are the most potent preventive measures in protecting the fate. Ouais, ok, bon, c'est pas très intéressant, je crois. On va plutôt écouter Henry. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. C'est ça qui est important, surtout. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Oui, voilà, c'est tout ce qu'on a vu, hein. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Nous? Moi? I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do. Yeah, I mean, maybe it's Est-ce qu'elle serait pas avec eux? Studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do? Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Eh ben, on va avec notre hache. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Non, personne ne me suit, t'inquiète là, je vais les défoncer. On prend notre hache et on va défoncer la grille. Voilà ce qu'on fait. Non, ça vous tente pas? Are you there? Oh là. I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are.
at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Oh mon dieu! Donc on est bel et bien sur écoute. On l'a entendu, là. On va faire confiance à Deli, quoi. C'est pas possible. On nous met le doute, mais on va lui faire confiance. Il y a quelqu'un qui fait des recherches. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the... Oh, c'est elle qui t'appellera, elle a dit. The Flapjack Fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Bah, s'il te plaît, tu peux me faire évacuer l'un d'ici? Pourquoi es-tu si gay, j'avoue? Attends, tu rigoles? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. Mais elle est trop bizarre. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Examiner la fiche de Flore. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle est où? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est... Qu'est-ce qu'elle me raconte avec son affiche de flore de merde là? Elle est où l'affiche de flore? J'ai pas compris. Ah, elle est là. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Mais oui. Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the No. You don't need to tell me, just d'accord. On va internalize it. It's a great tree. And there's an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. OK, elle fait exprès. Oh. Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. OK. On a compris, on va à Cotton Machin. D'accord. Il y a le paltoquet qui brûle, on est tranquille. Moi j'y vais, je m'en fous. On a combien là? On a 38 minutes, mais on a fait quelques boucles inutiles pendant un moment, donc on va avancer encore, vous savez quoi? Là je suis intrigué. Donc, il faut que je retourne... là. On est d'accord, hein? Je suis pas trompé, hein. Cottonwood Creek. Donc c'est par où exactement? Faut que j'aille jusqu'à la Medicine Wheel. Putain, c'est loin, hein. On va pas traîner, moi je vous le dis. Allez, hop, on y va tranquille. Peut-être qu'on va enfin la voir. Ça, ce serait agréable. Ça permettrait déjà de voir une théorie sur le fait qu'on ne voit personne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Ça me paraît important. Donc déjà, ne pas se perdre. Là, c'est à gauche. Là, c'est la Medicine Wheel. C'est ça? Est-ce que je me perds, là? C'est fou. On s'est encore perdu. Non, c'est là, voilà. Hop. Voilà. On est sur le bon chemin. Tu descends. Moi, si on peut la voir aujourd'hui, Deli, ça me ferait plaisir. Ça me rassurerait, hein. Mais à la question sur quoi ils feraient leur recherche là-bas à Wapiti Station,
Répondre nous ou moi, là j'ai des doutes sur ça. J'ai des doutes sur ça. Ils prennent notre conversation, tout ça, mais c'est peut-être sur moi, sur Henry. Ok. Je suis à Cotton Creek. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Nouvelle radio. Ouh. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Gardez comme preuve. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Ok. Qu'est-ce qui se passe, bordel? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. Putain, bouge. What do you know? I know that I'm scared. Qui peut faire ça? Et l'autre guetteur? Est-ce que j'im... makes any sense. Est-ce que j'imagine tout ça? Am I just making all of this Vous up? voyez quand même qu'on a des The indices. eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing Il my y a quand même mind. cette idée qui reste présente, hein. C'est pas, ça vient pas que de nous, hein, si le jeu le Maybe it's propose. happening to me and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water or our condo was underneath some power lines and you, Delilah, you're not real. Il pète les plombs, hein. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. C'est vrai. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Elle a l'air sérieuse, hein. Elle a l'air sérieuse ou alors elle joue bien la comédie. On va la rappeler. C'est bon, on va se calmer, voilà. Il avait l'air de péter les plombs, mais comme je vous dis... Hey. Just thought of something not great. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Bah à quoi elle pensait? What the fuck? Je crois qu'on a coupé le dialogue. On a dû couper le dialogue. Je peux pas. Ouais bon, la lumière pour l'instant ça va. Le fait que bah vous aviez cette idée que peut-être c'était Henry qui avait des problèmes, qui s'inventait des trucs, qui était alcoolique ou quoi que ce soit, le jeu nous le propose aussi. Donc c'est quand même voilà quoi. Je sais pas si je prends la route la plus rapide là, mais on peut clairement passer par là. Elle avait l'air d'être effrayée autant que nous, hein, donc Delhi. Donc on a confiance. Je suis sur la bonne voie normalement. Là. On va aller jusqu'aux grilles. Là, il faut faire le tour. On va faire le tour par là, tiens, ce sera pareil. De toute façon, on s'en fout. Ça devient stressant, je trouve. Moi, je sais pas pour vous, mais je suis assez stressé. On a gardé la radio en preuve. Je sais pas si c'est important, ça, par exemple. On n'est jamais allé voir tout au bout, là-bas. Oh, il y a des canards. Qu'est-ce qui se passe? Non? Ok. Il y a des bêtes, hein. J'ai pas envie qu'on me suive. Là, il n'y a plus de bruit. Tout ça, on avait refermé. Il n'y a pas de souci. Don't stress. C'est par là, hein? On est d'accord? Je vérifie encore une fois parce que je suis... C'est bon. C'est bien par là. Je suis stressé maintenant. Faut qu'on se teste, hein. Il est 45 là sur mon chrono. Ça doit faire un chouïa moins pour vous, mais c'est... Limite ça, quoi. On va aller voir jusqu'aux grilles et on se laissera. J'aime pas ce silence, là. Ça me stresse maintenant, là. On y est, là. Hein. La clôture.
je vous présente ma copine Nash. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Allez, go. Oh là, oh là, c'est stressant, non? On est rentré? Et si je réparais ça? Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Inspectez Wapiti Mido. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on va y trouver là-bas? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire nos enfoirés là, hein. On verra la prochaine fois. Mais là, je suis pas rassuré. Ok. On verra ça la prochaine fois. On a eu beaucoup de choses dans cet épisode, donc j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Je vais pas filmer la suite tout de suite, je pense que c'est important que j'ai votre point de vue. On verra ce qu'il y a. Non, je veux pas avancer. Je veux pas avancer. Ok, j'ai très hâte de savoir la suite. On se retrouve très bientôt, portez-vous bien. Et ne stressez pas trop, moi je suis en stress. Voilà. Allez, à bientôt.